regardant le regard de l'autre, je pense qu'on a tous... On s'est tous nourris du regard des autres, mais en même temps, on a tous pu être blessés par le regard des autres, qu'on soit tout petit, des fois beaucoup plus grand, des fois beaucoup plus âgé. On est toujours très sensible au regard des autres, alors en même temps, c'est un truc un peu compliqué, parce que on se construit par rapport au regard des autres. Et puis en même temps, des fois, on se sent complètement détruit, quand ce regard des autres est violent. Quand vous vous sentez jugé, quand on essaie de correspondre aussi à ce que les gens veulent en soi. Alors des fois on se perd, mais des fois il faut du temps pour se retrouver, du temps pour s'affirmer aussi. Alors c'est vrai que cette chanson, dans le même panorama, c'est Laurent Lamarca qui a écrit le texte. Il a écrit le texte parce que quand je l'ai rencontré pour travailler sur cet album, il me disait, c'est marrant parce que j'ai l'impression que tout le monde te connaît un peu et en même temps, on ne connaît pas grand-chose de toi. Et en même temps, bah, c'est vrai que c'est un constat qui n'est pas totalement faux parce que je pense qu'on est là, nous, en tant qu'artistes, pour vous apporter du bonheur dans ces salles de concert parce qu'il n'y a que dans ces endroits-là, vraiment, qu'on est en direct comme ça. Vous voyez, c'est pas à travers la télé, à travers la radio où il y a toujours le prisme des médias. Là, quand on est dans une salle de concert comme ce soir, remplie avec plein de gens, des marées forcées, mais aussi des gens qui sont là de mon cœur, bah, je pense que c'est que là que les rencontres sont réelles, que les émotions sont réelles. Et donc du coup, c'est vrai que pour moi, se préserver, des fois avoir cette distance un peu, c'est nécessaire pour être capable de restituer tout ce qu'on a envie de restituer sur scène, ces émotions. Et en même temps, de mettre complètement de côté ce qu'on vit pour que chaque soir, quand on est sur scène, on donne le meilleur de nous, tous, pour essayer de vous apporter ce bonheur que vous êtes venus chercher. Alors, j'espère vraiment que le temps de ce concert, vous avez en tout cas laissé à l'extérieur de la salle vos problèmes, laissé à l'extérieur de la salle l'état du monde dans lequel il est, et que, bah, les jours qui vont suivre, peut-être que vous vous souviendrez de ce moment en concert et vous direz « Ah, pour le coup, c'est pas mal d'essayer de se rattacher à une émotion qui nous plaît, à quelque chose d'optimiste, à quelque chose de positif, dans ce monde où on essaie de nous dresser une vision extrêmement violente de tout ce qui nous entoure. » Alors du coup, moi, cette chanson en concert, c'est celle que je préfère. Pas parce que c'est la plus lente, parce qu'à mon âge avancé, je peux plus trop bouger. Mais parce que c'est celle où il n'y a plus d'artifice. Vous voyez, il n'y a plus qu'Aurélien sur scène, moi, et vous. Et du coup, je trouve que c'est ça qui est vrai. C'est ça qui ne peut pas se falsifier ou se copier d'une autre manière. Alors, cette chanson, dans le regard de l'autre, j'espère vraiment qu'elle vous fera du bien, qu'elle vous aidera peut-être dans vos vies. Certains d'entre vous, peut-être, passent des moments difficiles. En ont peut-être passé. J'espère que cette chanson, en tout cas, vous apportera autant de bien qu'elle m'en a amené à moi en travaillant sur cet album et que chaque soir, quand je la chante. Voilà, merci. Dans le regard de l'autre, mon amour propre.
peur simplement par manque de confiance. Je cherche un compliment pour aller dans son sens, pour être fier de moi, pour ne pas prendre peur. Amigo, à mes soirs, je lis tous les regards. Dans le regard de l'autre, mon amour propre a pris sa place en catastrophe, en cataplasme. Dans le regard de l'autre, oh.